Actuellement en vacances dans les Landes, Élodie Gossuin compte bien profiter de son chéri et de ses enfants. Sur Instagram, l'ex-Miss France a partagé une série de photos hilarantes où elle montre l'envers du décor d'une soirée romantique avec ses progénitures. Ils font partie de ces couples gaules que l'on jalouse secrètement. On parle bien d'Élodie Gossuin et de Bertrand Lachery qui filent le parfait amour depuis 17 ans. Un véritable exploit dans le monde du show business où les romances se fanent plus vite qu'une rose. À la tête d'une famille nombreuse, l'animatrice s'évertue à entretenir la flamme de leur amour. Au fil des années, cette dernière n'a jamais renoncé à sa vie de femme, allant même jusqu'à affirmer qu'elle aime encore plus son mari au fil des années. Dans les colonnes de Gala, la jolie blonde a confié le secret de leur longévité pour ne pas tomber dans les ruses de la routine, c'est grâce à lui que je m'épanouis et inversement, enfin, je l'espère. Il y a cette envie de continuer à construire notre tribu ensemble. Ce n'est pas le fait de rester ensemble pour nos enfants, au contraire. On a toujours plein de raisons d'être ensemble. Mais la vie sentimentale d'Élodie Gossuin n'est pas toute rose. Loin de nous vendre un conte de fées Disney, l'ancienne reine de beauté a évoqué en toute transparence leurs désaccords, on se construit et on grandit ensemble. Parfois, les chemins divergent un peu et on ne voit plus la vie de la même façon. Pas de quoi inquiéter l'animatrice. Même quand on s'éloigne, on se retrouve toujours. On est ultra complémentaires. Des petits ajustements nécessaires qui n'égratignent en rien l'amour qu'ils se portent. Un modèle de vie dont on devrait suivre l'exemple. Soirée romantique, ou pas actuellement en vacances dans les Landes, Élodie Gossuin compte bien profiter de sa petite famille. Et de prendre soin de son chéri, victime d'un léger accident qui immobilise sa jambe gauche. Malgré sa blessure, le jockey garde le sourire. En témoigne la publication de son épouse sur Instagram ce 1er août 2023. Alors que le couple pensait pouvoir s'octroyer une soirée en amoureux, c'était sans compter sur le tempérament malicieux de leur fille Rose, qui n'a pas hésité à gâcher leur date. Sur ces photos, on peut voir les jeunes parents tenter un rapprochement tandis que leur progéniture s'incruste. Des clichés hilarants qui nous ramènent à la dure réalité de la vie de famille, pas franchement compatible avec la notion d'intimité. Soirée romantique, quand tu as des enfants ironise la maman. Un joli portrait de famille qui prête à sourire.